Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, chaque vidéo que je dépose en ligne. Dans cette vidéo les amis, je vais vous montrer comment perdre la graisse du ventre rapidement avec un simple mélange à la maison que vous allez faire vous-même. Pour cela, vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Pour préparer ce simple mélange, mettez de l'eau chaude dans une tasse propre. Prenez un citron. Le citron, vous allez le laver et le couper en petits morceaux. Mettez-le dans l'eau chaude. Le citron est bien connu pour l'acide critique qu'il contient. Il agit très vite et aide à dissoudre la graisse corporelle. Deuxième ingrédient, vous allez avoir besoin de persil. Le persil, vous allez le mixer pour la hacher. Prenez une cuillère à café. Mettez-le dans la préparation. Le citron combiné au persil lui-même, diurétique et puissant antioxydant riche en bêta-carotène, en vitamine C, K et E, c'est les ingrédients parfaits à allier au bicarbonate de soude pour des effets satisfaisants pour votre perte du poids. Dernier ingrédient, ajoutez un demi-cuillère à café du bicarbonate de soude. Mélangez tout ensemble. Une fois que vous avez fini de mélanger tous les ingrédients, vous allez le laisser refroidir. Conservez-le au réfrigérateur. Le lendemain matin, vous allez le filtrer. Vous pouvez boire cette boisson tôt le matin à l'estomac vide. Cette boisson, vous pouvez la faire aux grosses quantités et vous pouvez la consommer 3 fois par jour. Une tasse le matin, le deuxième le midi et le troisième le soir avant d'aller vous coucher. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis, la famille et tout le monde. Et si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, chaque vidéo que je dépose en ligne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.